le dit souvent, on ne passe pas par Courance, on y vient. C'est un petit village qui bouge très bien. C'était un pari osé. Il y en a beaucoup qui nous ont dit attention, vous êtes fous, vous savez pas dans quoi vous envoyez de passer en agriculture biologique. Moi ici à Courance, je peux rester très près des vignes sans craindre d'intoxication pour mes abeilles. J'ai été soutenue par la mairie et par les autres agriculteurs aussi. Le deal avec la commune, ça a été que eux m'installaient et moi je sors tous les jours avec le troupeau et on entretient à notre rythme le débroussaillement de la commune. Je pense qu'il y a une nouvelle façon de penser la démocratie. La bonne échelle est la commune. Je pense que l'idée fondamentale, c'est qu'il faut changer les rapports entre ce qu'est le rôle de l'élu et le rôle de la population. De toute façon, la démocratie participative, je pense que c'est la base un petit peu des projets de développement durable, parce que si on est chacun dans notre coin, ça ne marchera jamais. Le projet a été bien réalisé parce qu'il y a une synergie entre tous les hommes qu'il y avait et tous les Coransois qui nous ont aidés à passer à l'agriculture biologique. Je crois beaucoup au modèle de dire que cette agriculture vertueuse où il y a des paysans qui décident de plus soigner la plante mais de faire une plante qui ne soit pas capable de ne pas empoisonner la personne, ce qui est fondamental, qui est une autre approche des choses, eh bien ça, cette dynamique-là sur le territoire, elle est vertueuse et elle impacte une dynamique sociale beaucoup plus importante, beaucoup plus large que le monde paysan. Après une période vraiment de modernisme, l'agriculture s'est réinterrogée et va puiser dans le passé des solutions pour aujourd'hui. Et je pense que dans ce qu'on appelle donc les nouvelles musiques traditionnelles et musiques du monde, dans ces cultures, il y a vraiment une richesse incroyable, des savoirs incroyables, des modes de vivre ensemble qui sont vraiment fabuleux. Que les élus soient tout de suite mis en relation avec les habitants, qui est voilà, ce système où tout le monde se mélange. Par exemple, pour la cantine bio, il faut intégrer tout le monde. Il faut intégrer les parents d'élèves, les instituteurs, le personnel cuisinier, les élus forcément. Et ça, c'est valable pour tous les projets qu'on peut mettre en place. Il y a une volonté, je pense, bon, déjà des agriculteurs, mais aussi des villageois. Oui, c'est envie de bien faire, quoi. Faire les choses comme il faut. En essayant de respecter tout le monde. Les habitants se connaissent plus, du coup il y a vraiment une cohésion qui se fait au sein de la population, qu'il est plus facile de retrouver dans des petites communes rurales que dans des grosses communes où voilà, l'individu prime d'abord et on ne se connaît pas entre voisins, alors qu'ici voilà, tout le monde se connaît. Je suis fier que cette jeune génération est en train de prendre le relais. La vision du monde, on la partage vraiment ensemble sur la manière de fonctionner, l'esprit de tolérance, l'esprit de respect des autres, l'appréhension de sa société dans sa globalité et d'une vision très écologique des choses. Des chèvres assez rustiques qui ont un lait riche, qui permet de faire de valoriser pas mal le lait, quoi. Je ne me vois pas les mettre dans des cages. Donc voilà, elles sont dehors, elles sont en plein air, toute la journée, tous les jours. Et ça fait partie, oui, du souci du bien-être animal, quoi, tout simplement. L'hiver, ils passent très peu dans leurs vignes et donc on a énormément de fleurs qui poussent sur les interlignes de rangées de vignes, hein, et principalement la fausse roquette, qui est une fleur qui est très appétante et très intéressante pour l'abeille. Il faut qu'elles soient rentables, nos exploitations, c'est bien de protéger l'environnement, d'avoir la biodiversité, mais si derrière on n'a pas une exploitation qui est rentable, il n'y a aucun intérêt. D'être un petit producteur, c'est compliqué, mais du coup on a le soutien
donc des autres agriculteurs, mais aussi des clients. Il y a les gens, ils sont chercheurs, demandeurs de produits de qualité. Puis, comme on fait de la vente directe et sur des petits circuits courts, on va dire, du coup, on a le retour des gens, ce qu'ils en pensent et qui, du coup, nous soutiennent et ça motive pour continuer. On ne serait que continuer déjà. C'est pas un retour en arrière. C'est vraiment fort des expériences d'aujourd'hui, fort de toute cette expérience, aller plus loin. C'est se nourrir des savoirs anciens, mais aussi découvrir au présent qu'est-ce qu'on peut imaginer. Je me suis basé sur Corrence pour essayer d'améliorer ce qui s'était fait à Corrence, mais c'est surtout voilà, de faire miroiter ce qui se passe à Corrence et d'essayer. Pour moi, la réussite, c'est que dans 10 ans, ça continue et que je ne sois plus là.